Repousser la seconde injection vaccinale pour protéger plus vite et plus largement la population. C'est désormais la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Le délai initial de 3 semaines pourrait donc doubler et passer à 6 semaines. Pour les personnes qui ont reçu la première dose, on sait que la protection vaccinale est déjà très bonne à partir de la 3e semaine, supérieure à 90%. La 2e dose reste tout de même indispensable pour assurer une protection à long terme. Ce changement permettrait de vacciner 700 000 personnes de plus rien qu'en février et ainsi d'éviter des milliers d'hospitalisations et des centaines de décès, à condition que cette mesure soit mise en place très rapidement et que les livraisons de vaccins ne prennent pas de retard. Ça coule tellement du bon sens. L'OMS s'y est prononcée favorablement depuis déjà longtemps. Les Anglais le font depuis plusieurs semaines. La Haute Autorité de Santé vient de le recommander. Je serais surpris que le gouvernement n'applique pas la mesure dès lundi. Cela permettrait aussi pour chaque patient en moyenne de réduire le délai d'attente de 10 jours.